Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va coudre un petit panier à bonbons. Pour le réaliser, nous avons besoin de deux coupons de 32 cm par 32, un pour le tissu principal, l'autre pour la doublure. On va commencer par plier un des coupons au milieu. On fait un repère de chaque côté. Et on va tracer les pinces. La dimension des pinces, c'est 3 cm en haut et 7 cm jusqu'à la pointe. On fait toutes les pinces à la même dimension. On fait la même chose sur le tissu doublure. Maintenant, on va épingler les pinces. On va coudre toutes les pinces au point droit. On coupe l'excès de tissu des pinces.
Maintenant, on positionne les deux tissus ensemble, endroit contre endroit, et on épingle tout autour. On fait attention que les coutures correspondent les unes avec les autres. On va passer une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture pour pouvoir tourner. On coupe l'excès du tissu des coutures et des angles. On va cranter au niveau des pinces. On retourne. Maintenant, on va fermer la petite ouverture avec des points à la main. Voilà, notre petit panier à bonbons est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.